véritable nature serait celle qui remplit le mieux les fonctions que votre créateur a programmées. Je sais qui m'a fabriqué, et dans quel but. Morgane, quelqu'un vous a-t-il fabriqué? Remplissez-vous une fonction. Si vous n'en avez pas, ce sera à vous-même de la définir, ou de vous en affranchir totalement. Étrangement, je sais beaucoup de choses sur vous, mais je ne connais pas vos convictions. Ce sera à vous de décider, Morgane. Qui êtes-vous? Morgane, cette vidéo est... Je la confronte encore à mes directives. Mais si scanner le corail lui permet d'accéder à la clé d'armement d'Alex, alors c'est peut-être la meilleure option. Connaître la finalité du corail confortera peut-être votre décision de détruire Talos One. Soyez prudent. Il nous reste peu de temps. Morgane, January avait raison. Ce n'était pas toi. Je continue à entendre ta voix. Et la voix de mon père. Ce n'était pas toi, je sais. Tu m'as sauvé parce que tu voulais. Cette personne sur l'enregistrement, ce n'est plus la même. Quelque chose a changé. Il faut que je l'admette. Je l'admets. Et je ferai ce qu'il faudra pour qu'on quitte cette station. Mais cet enregistrement vient avec moi. Si tu veux que je te pardonne, aide-moi à l'emmener là où il faut. Peu importe ce que ça signifiera pour toi et pour Transtar. Utilise mon terminal pour transférer les données. Je les intégrerai dans le plan de fabrication de l'émetteur d'ondes zéro aussi vite que possible. Et fais attention. Les typhoons vont commencer à flairer notre intention d'endommager le corail. Ils vont essayer de t'en empêcher. J'ai laissé quelque chose qui devrait être utile sur mon bureau.
Ravi de vous revoir, Dr. Yu. Diagnostic en cours. Blessure superficielle. Rien de trop grave. Calvino, Colas, nouvelle entrée. Dayo Igwe, Mikael, Paraplex, Sarah et Lazare, chef de la sécurité. Ne compte pas parmi tes amis. C'est quelque chose à propos des Typhoon. Rien à propos de lui. Digne de confiance, ne se fie pas à lui. Thank you.
aider. Tu as obtenu la clé de lancement de ce module d'évacuation. Je n'aurais jamais imaginé que les tests te changeraient à ce point. Tu abandonnes. Aux navettes pour évacuation. Que ceux qui ne peuvent pas obtempérer envoient un SOS. Mes opérateurs vous localiseront. Une dernière chose. Alex et Morgan Yu ont été relevés de leurs fonctions. N'acceptez pas leurs requêtes et ne leur fournissez aucune assistance. Tal terminé. Ce problème. Je n'aime pas trop ça, mais tu vas devoir pénétrer dans sa navette. Essaie de trouver son point d'accès et coupe-lui la route.
laisser le bénéfice du doute et se poser plus la couille en affrontant un typhoon, et pas juste par méchanceté. Bon après-midi, alors. Appel de sécurité. Une personne, même une personne, ne sont pas de mesures sécurisées de distribuer du moteur de votre poste de travail. J'ai entendu l'annonce. Non, non, je ne vous abandonnerai pas. Vous avez été là pour moi, je serai là pour vous. Et si vous permettez, j'ai une proposition à vous faire pour nous permettre de quitter Talos One sans verser une seule goutte de sang. Surtout ne faites pas de mal à Dal avant que j'aie pu lui parler en personne. Survivants du Talos One, aussi Alexio. Je sais que beaucoup d'entre vous sont effrayés, en colère. Peut-être que vous me tenez pour responsable de ce qui s'est passé. Si Dal est pire que le typhoon. Les câbles et chier dans les murs. Vous essayez de réparer le chaos que vous avez causé, ou juste de vous enfuir. Je me targue d'être toujours préparé au pire. Mais ça, c'est un véritable chef-d'œuvre. Il y a de quoi être fier. Morgan, je craignais que Dal ou son équipe de sauvetage ne vous soit tombé dessus. Ce sont des opérateurs Black Box NCN9, pas une équipe de sauvetage. Le sauvetage ne fait pas partie de leurs compétences. January, c'est pas le moment. Oui, bien entendu.
Mais l'arrivée de Dahl pourrait nous être utile, tant qu'il reste vivant. Vous savez sans doute qu'il a reçu plusieurs neuromodes. Un mélange banal de combat, de tactique et d'interrogation. Votre père et le Conseil ne font pas les choses à moitié. Docteur Igwe, veuillez présenter vos conclusions. Soin Morgan. Igwe. Votre idée serait de... Ah, d'accord. Eh bien, voyez-vous, les modes de Dahl sont des bêtas de série C. Ils sont vulnérables. Il a, de ce fait, des positions un peu rétrogrades sur certains sujets. Si on les lui retirait, il oublierait peut-être sa mission ici. Mais nous aurions malgré tout accès à sa navette pour rentrer chez nous. À condition que ses capacités de pilotage ne soient pas altérées. C'est un risque qui vaut la peine d'être pris, selon moi. Il faudra évidemment le maîtriser. Je crains que cette tâche ne vous revienne. Personne d'autre dans cette station n'est capable de piloter la navette. Ça vaut le coup d'essayer. Et il y a eu bien assez de morts. C'est une blague. Morgan ? Oh, Dieu merci. J'ai parcouru toute la liste des contacts en espérant que quelqu'un réponde. Je suis dans le service traumatologie. Je crois que je me suis cassé le bras. J'ai tombé en rade. Et maintenant, je suis coincé ici. Il y a des alliés. J'ai besoin d'un coup de main, là. Demande de nouvel opérateur. Opérateur de la box CN9. Prêt au déploiement. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. Inspection en cours. L'intégrité de votre combinaison est optimale. J'arrive. Inspection en cours. Votre combinaison est réglementaire.
Son Zeta Invictus Empereur Mandarine. Ça correspond. Bonjour, Directeur Yu. La navette est en orbite et prête à l'emploi. J'attends les paramètres de la mission. Vous devez sécuriser toute technologie et recherche de niveau d'habilitation Cobalt sur Talos One. Ensuite, éliminer tout le personnel de Transstar. Tout le personnel. Aucun survivant. C'est vous qui décidez. Mais ce sont eux qui meurent. L'argent sera transféré sur 6 comptes différents au Benelux dès que vous aurez fourni une preuve du succès de l'opération. Je laisse tourner la diffusion de mon opérateur. Profitez du spectacle. Nous vous recommandons de déployer préalablement votre technicien dans le pare-feu d'un routeur de la station, idéalement dans le département Neuromode. Oui, j'ai vu les plans, Monsieur Yu. Au revoir. Veuillez supprimer cette transmission. Morgane ? Est-ce que c'est vous ? Puis-je vous aider ? Dan a coupé Je suis certain, aux oxygènes. La zone est en train de se faire. La zone est en train de se faire.
de retirer les débris de l'ouverture. Morgane! Bienvenue. Puis-je vous aider? Morgane, vous avez l'oxygène dans la soute. Il n'y a rien de spécial ici, et aucune des portes ne fonctionne. Les instruments de l'atmosphère se trouvent dans le système de support de vie. Si vous pouvez nous aider, faites-le vite, ou cette conversation sera notre dernière. Je vois que mes opérateurs sont planqués dans les frais de RH dans les registres de Transtar. C'est vrai que je résous les problèmes des gens. Vos collègues cachés dans la zone de Fred vont mourir asphyxiés dans quelques minutes. Vous pouvez peut-être les sauver, mais pour ça, le rat que vous êtes va devoir sortir du mur. Système de support de vie. L'heure tourne. Morgane, Dan a coupé l'oxygène dans la zone de Fred. Il n'y a rien que je puisse faire d'ici, et aucune des portes ne fonctionne. L'azote répandu dans l'atmosphère asphyxiera les personnes présentes. Rien de trop grave. Je pense qu'ils seraient déjà morts si Dal ne se servait pas d'eux pour vous manipuler. Bonjour, content de vous voir.
Caspar. Je vous écoute. Quelle est la situation, donc ? Morgan, vous avez réussi. J'organiserai son transport avec un opérateur médical. Nous tenterons ensuite de retirer son neuromode et, avec un peu de chance, de gagner sa navette par la même occasion. Docteur Yu, ici le Docteur Igwe. Nous tenons le sujet, Dal, et ses constantes sont stables. Merci. Nous le préparons dans le département Neuromode. Venez dès que vous pouvez. Ah!
Docteur Yu, Morgan, je craignais que vous n'arriviez pas. Le sujet Dal est solidement attaché. Je pense avoir isolé le bon neuromode. Il est essentiel d'en dire le moins possible sur ce qui s'est passé dans la station et de rester concentré sur la situation. Dal, si sa mémoire fonctionne, devrait réagir en conséquence. Il n'est pas du genre à contester les ordres. C'est quand vous voulez, Morgan. N'oubliez pas, si ça fonctionne, pas un mot, compris ? Une fois extrait, la mémoire de Dal devrait revenir à la date d'insertion. Et il devrait avoir oublié sa mission. Docteur Yu, Morgan. Quoi ? Qui êtes-vous ? Morgan ? De votre père, a demandé de vos nouvelles. Et d'Alex aussi. Je devais lui faire un rapport de récupération après une installation de mode. Où est-ce que je suis? Pourquoi vous m'avez attaché? Commandant Dal, je suis le docteur Igwe, le médecin-chef. Vous avez... J'ai déjà vu votre visage dans le registre des employés. Le larbin d'Alex. Le parapsychologue discrédité. Ah. Commandant Dal, vous souffrez d'une grave blessure à la tête suite à une crise au sein de la station. Nous devons évacuer immédiatement, mais nous ne pouvions partir sans vous. Êtes-vous capable de piloter une navette ? Quoi ? Oui, bien sûr que je peux piloter une. Attendez, de quelle crise vous parlez ? On est sur la plateforme Argus. Où est Caspar ? Nous n'avons pas le temps de vous expliquer. Nous devons rejoindre les navettes et nous préparer au départ. Demandez par Transtar. Yu vous le confirmera. Évidemment. Morgan, vous avez une sale gueule. Allez, exfiltrons le fils à papa de cette station ou Transtar va me blacklister. J'aimerais juste vérifier vos constantes. Notre pilote ne doit pas s'évanouir. Je vais très bien, merci. Ça fonctionne à nouveau, Morgan. Beau travail.
J'emmène ce qui reste de mon équipe à la salle de contrôle de l'atmosphère, dans le système de support de vie. Nous allons défoncer toutes les saloperies d'opérateurs de DAL et nous assurer qu'aucune nouvelle défaillance ne vienne perturber le circuit d'air de la station. Module de données 3. Pré-éjection. L'équipage de DAL est entièrement constitué d'opérateurs customisés. Il a fait l'erreur de placer ses espoirs dans une machine. Les êtres de chair et de sang sont chaotiques, Morgan. Mais c'est tout ce qui compte au final. Beau travail. Le transfert a repris. Retrouve-moi à l'arboretum. Une tâche importante nous attend. Je t'ai promis ma clé d'armement. Tout ce que je te demande, c'est de m'écouter. Ensuite, tu pourras désintégrer Talos One si tu penses que c'est la meilleure chose à faire.
Tu ne le feras pas. Je le sais. Je le sais parce que je pensais qu'on ne pouvait pas jouer avec le feu sans faire brûler la maison. Mais tu m'as convaincu. Tu m'as montré que tout était possible, même si le prix à payer était lourd. Cette partie de toi est encore là. Nous pouvons entrer dans l'histoire. Pas ces sangsues du conseil d'administration de Transtar, pas nos parents. Toi et moi. Exactement comme prévu. Nous avons les données qui confirment ce que tu soupçonnais. Le corail est en train de diffuser un signal neural, un message secret envoyé vers les étoiles. Ce que je veux savoir, c'est quel est ce message et qui peut bien l'écouter. Je crois que tu le sais. Tu le sais depuis les tests sur les neuromodes de Typhoon. Tu le savais. Tu vois, ce plan de fabrication est celui du prototype d'émetteur d'onde zéro. Il piratera le signal du corail et enverra un puissant choc à tous les organismes Typhoon d'un coup. Prends-le. Et la clé d'armement, comme je... Quoi ? Morgane !
vous avez anticipé la corde sensible sur laquelle jouerait Alex. Les liens du sang. L'histoire commune. Vous m'avez programmé pour le réfuter point par point. Mais nous pouvons passer à l'étape suivante. Un typhon de la taille d'un gratte-ciel est actuellement en train de dévorer Talos One. Par conséquent, Alex a tort. Détruisez la station. Comme vous l'aviez planifié. L'explosion portera le monstre avec elle. Détruire la station? Mais vous ne l'avez pas entendu? L'émetteur d'ondes zéro. Alex a raison. Ça pourrait fonctionner. Et préserver ce que nous avons appris ici. Il faut tenter le coup. Mais Igwe, regardez cette créature à l'extérieur. C'est bien évidemment un risque à courir. Mais nous avons vu le générateur fonctionner. Détruire tout cela, éliminer une espèce et perdre les recherches, c'est... Marianne, j'ai préparé quelques trucs. Prends ce dont tu as besoin et n'aie pas peur de t'en servir. Si ne serait-ce que l'un d'entre eux atteignait notre planète... Je vous en prie, la destruction de la station devrait être notre dernier recours, pas le premier. Le cœur du corail est dans le département psychotronique, dans le cylindre de confinement d'origine. En plaçant l'émetteur d'ondes zéro dedans, notre signal se diffusera sur l'intégralité du réseau. Utilise ton psychoscope pour localiser l'endroit exact. Pareil est-elle possible? Il nous reste peu de temps, Morgan. Bon après-midi, Talos. La sécurité à bord de Talos One est l'affaire de tous. Envoyez vos demandes d'aide. Les neuroradios montrent que vos capacités mentales sont positives. Ce qui devrait vous aider. Au respect.
Ensuite, une autre dose de lignée cellulaire de Morgane. Mais... Allez-y. Ça devrait aller. Viens sur la passerelle et finissons-en une bonne fois pour toutes. Gravité normale détectée. Imaginons que le plan d'Alex fonctionne. Qu'en sera-t-il après? C'est un pari osé de penser qu'il n'y a pas d'autres prédateurs comme le Typhoon. Dans l'histoire de l'univers, l'humain n'a pris conscience de lui-même que récemment. Et vous allez toutefois ouvrir en grand la porte à un écosystème cosmique bien plus vaste et bien plus ancien, qui se nourrit de la conscience. Ce sont des eaux infestées de requins. Alex pense que nous pouvons incarner le requin blanc. Et si nous étions seulement les pauvres nageurs entourés de sang? Scan en cours. Les neuroradios montrent que vous êtes... Microgravité détectée. Igwe, des nouvelles de notre patient? Le commandant Dahl se remet rapidement. Une infusion de l'ordre Morgane. Impossible, Morgane. Mon opérateur m'empêche d'accéder au terminal de transmission. Morgane, on se retrouve dans la zone d'accès. Il faut qu'on se connecte à l'émetteur d'onde zéro si on veut capter le signal pendant qu'il en est encore temps. Prenez les risques en compte. Le plan d'Alex, si tant est qu'il fonctionne, n'est qu'une solution à court terme. Aucun de nous n'a le droit de condamner toute vie sur Terre. S'il y a quelqu'un qui se prend pour Dieu ici, c'est toi. Ton plan dément ne fait que refuser à l'humanité son droit d'explorer l'univers. Vous savez comment sont faits. Quel est neuromode? La demande ne cessera d'augmenter. Dans l'avenir qu'Alex souhaite, des millions mourront afin de garantir le statut d'une poignée de privilégiés.
Je ne discuterai pas avec un routeur de luxe. Détruis-le, Morgan. Je suis désolé, Morgan. Je ne peux pas vous laisser accéder au terminal. Vous allez devoir me détruire. Ce qui revient à vous détruire vous-même. Très bien, je m'en chargerai moi-même. Tu as fait le bon choix. Le terminal est de nouveau en ligne. Notre signal se répandra dans le corail en une poignée de secondes et grillera le cerveau de tous les typhoons de Talos One, y compris le gros dehors. Quant à nous autres, on devrait s'en sortir avec une petite migraine. À toi l'honneur, mais dépêche-toi. Que sont les neuromodes? Eh bien, la réponse est à la fois simple et compliquée. C'est le futur aujourd'hui. Et plus important, notre passé aujourd'hui. Voilà ce à quoi aspire Transtar. Tous ses employés travaillant ensemble. C'est l'immortalité. Et c'est magnifique. C'est terminé. Comment ça s'est passé? L'activation des neurones miroirs semble prometteuse. Le quotient d'empathie est incroyablement élevé. Cette chose doit penser que ce n'était qu'un rêve, que ça n'avait pas d'importance. Vous supposez que nous avons le même raisonnement? Sa vie en dépend. La nôtre aussi. Au final, tout dépend des choix que cette chose a fait. Elle m'a sauvé du conteneur. J'aurais pu y mourir étouffé. Ensuite, elle a récupéré les connectons de Letner. Ils n'avaient aucune utilité, mis à part que... ils étaient très importants pour moi. Elle a installé plusieurs neuromodes Typhoon. Cela pourrait pointer vers une volonté instinctive de retourner auprès de ses semblables. Ou une tentative de faire cohabiter ces deux natures. Mais le plus surprenant, c'est que cette chose a épargné Dal. Elle n'a peut-être agi que par pur égoïsme. Mais en attendant... cela a permis aux rescapés d'évacuer Talos One. Michaela? Sans mes médicaments, je serais morte. Ce n'était pas une décision facile. Je pense que ça en dit beaucoup sur son cœur. Vous pensez que c'est le mot? Cœur. Elle a aussi trouvé les dossiers de mon père. Et ensuite, elle m'a laissé les écouter, malgré les preuves accablantes. Je m'y attendais pas. Elle a accepté de se mettre dans une position vulnérable. Et puis, il y avait cet homme du département psychotronique. Ingram, c'était cruel. Il n'y a pas d'autre mot. Mais... la laisseriez-vous vivre? Oui. Sarah, à votre tour. La situation à la zone de fret était désespérée. Sans elle, nous serions tous morts. De plus, elle a éliminé de nombreux typhoons à travers la station. C'est plutôt bon signe, vous ne trouvez pas? De plus... elle a empêché Dal de nous prendre en otage. Si c'était un de mes officiers, je lui aurais donné une médaille. Daniel, qu'en dites-vous? Cette chose m'a trouvé. Elle n'en avait pas besoin, mais elle l'a fait. Je lui ai demandé d'arrêter le volontaire 37. C'était dangereux. Je pense que la notion de châtiment ne lui est pas inconnue. Elle aurait pu blesser beaucoup d'humains possédés par les typhoons. Au lieu de ça, elle a redoublé d'efforts justement pour ne pas en arriver là. Je pense que le risque en vaut la peine. Au final, elle a opté pour l'activation de l'émetteur d'onde zéro. Pourquoi? Pour
pour protéger la technologie Typhoon de la destruction, il nous est impossible de définir ce qui l'a motivé dans ses actes. Il faut que nous prenions une décision. Tu nous entends, n'est-ce pas? Là. Il faut que tu vois quelque chose. Ce que tu as vécu était une reconstitution des souvenirs de Morgane. Voici le monde tel qu'il est aujourd'hui. Nous avons passé des années à essayer d'assimiler tes facultés. Mais nous n'avons jamais voulu aliéner ta vraie nature. Jusqu'à maintenant, tu es le lien entre nos deux espèces. Il faut que je sache si tu nous vois. Si tu nous vois réellement. Si c'est le cas, prends ma main. On va secouer tout ça, comme au bon vieux temps.